Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour la deuxième partie du ferraillage, du chaînage de la maison, tout simplement. Donc c'est parti, je vais m'occuper de ça. Ce matin, j'ai été chercher, vous savez, les petits trucs que je vous ai dit hier, là. Ces petits machins, là, je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout, peu importe. C'est un petit truc qui fait un L. Donc c'est parti, je vais continuer ça tranquillement. Faut que j'ai fini aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui, tout le ferraillage sera fini. Après avoir si j'ai le temps encore de terminer toute la partie coffrage, je pense pas. Je reçois du monde ce soir, donc faut que j'aille faire des courses, faut que je prépare à manger, faut que je prépare tout ça. Donc ça se trouve, j'aurai pas le temps de faire tout ça. Mais déjà, si j'ai fait toutes mes ferrailles, c'est déjà très bien. Et au pire, je reviendrai samedi faire tous les coffrages, terminer ça. Et comme ça, je serai prêt pour lundi, je coule. C'est pas très grave. Je suis pas dans le rush non plus, je suis pas en retard. J'ai pas un retard de dingue. Donc c'est pas très grave, hein. C'est l'avantage aussi de construire sa maison soi-même, c'est qu'on fait un peu comme on veut, on vient pas, on a un petit retard, on n'a pas de petit retard, voilà. On gère comme on veut, même si j'avoue, je préférerais que ça avance beaucoup plus vite, mais comme je vous ai dit, des fois quand on est tout seul, la motivation est pas forcément à son maximum, et c'est aussi le fait que là ça va faire quasiment un an que j'ai commencé l'aventure, que je fais de la maçonnerie. Et au bout d'un an, honnêtement, moi, ça me gonfle. Hein. Je sais pas pour vous, mais faire des choses comme ça, dans le long terme, c'est un peu gonflant. Hein. J'aime bien changer régulièrement et assez rapidement. Bon, allez, c'est parti. Je continue de mettre le ferraillage. C'est parti. Breathing.
don't cross my T's. I don't dot my I's. I won't say pretty please or speak in little white lies. Bon, alors ça avance plutôt bien. J'ai fini là, les deux entourages de fenêtres, donc ça, il n'y a pas de souci. Il m'en reste deux à faire. Et après, à faire encore quelques petits raccords au niveau des ferrailles, dans les angles, vous savez, faire des sortes d'équerres, tout simplement, pour raccorder tout l'ensemble. J'ai mis, vous savez, les petites crosses. Je sais très bien que c'est pas ça qui fait tenir vraiment tout l'ensemble, mais au moins, ça me rassure. Ça fait, ça fait tout simplement, pour moi, je trouve que le béton s'enrobe bien dedans, tout simplement. Mais à certains endroits, comme je les ai mis, c'était pas une obligation dans les angles et tout ça, c'était vraiment pas une obligation. Faut faire par contre des petites équerres où ça rentre dedans sur 50-50, on va dire ça. Vous faites des morceaux de 1 mètre, vous les pliez en deux et vous les mettez dedans. Et ça permet tout simplement de faire une bonne structure. Regardez, par exemple ici là. Juste là, vous avez vu, j'ai mis deux crosses et deux crosses. Donc là, ce que je vais faire en plus, je vais reprendre deux morceaux de 40 et les envoyer dedans. Bien qu'ici, là, j'ai l'impression que j'aurais pu enlever mes deux crosses. Là, je vous l'accorde. Ici, je les ai peut-être mis en trop. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je vais les laisser. À cet endroit-là, honnêtement, j'avais pas besoin. À d'autres endroits, autant mettre les deux. Ici, non, elles ont pas plus d'intérêt que ça. Mais bon, vu que je les ai mis, je vais les laisser et c'est pas grave. Et puis voilà. Et puis on continue tranquillement. On termine les entourages de fenêtres. On va mettre les derniers morceaux de coffrage partout. Et puis après c'est fini. Après il ne restera plus qu'à couler. Bon allez, c'est parti, je continue ça. Je fais la fenêtre ici. C'est parti. Bye.
Ça y est, j'ai enfin terminé de faire tous les entourages de fenêtres, donc ça, bah ça c'est bon, hein, tout simplement, c'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, je vais mettre les ferrailles, vous savez, comme je vous ai dit, les petites équerres, qui vont faire 50 sur 50 à peu près, hein, je vous dis ça comme ça. Je vais couper un morceau de 1 mètre, essayer de le plier en deux, donc ça va faire 50-50. Je vais en mettre un petit peu partout au niveau des angles et tout ça, et puis tout simplement, c'est tout. Après, c'est bon, tout le ferraillage sera fait, j'aurai aucun souci, aucun problème, et tout sera bon. Et après ça, on terminera tous les coffrages, et ça sera 100% fini. J'ai encore pas mal de choses à faire avant de couler, mais ça avance tranquillement, mais sûrement. Donc c'est parti, je continue ça. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before he hit the fence. But he hit the fan when I got him down and pinched. When I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these, cause my last name ain't Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she paid tuition. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. I learned my right from wrong on a song. I let my heart bleed on my sleeve through microphones. I'm trying to right my wrongs by writing out my wrongs. Ran through a check, cause it's hard to live off bread alone. So if you see me slipping, yeah, yeah, let me know. Cause it ain't the end of times yet, I know, but it's getting close. Yeah, I need my space to breathe, that's why I be going ghost. I ain't trying to stay up on that wide road. Cause I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. They thinking I'm bluffing, but I promise I do it. That K got a drum, like murder and booming. Sending you vert, if I get my little Uzi. They thinking I'm crazy, I'm gonna see you to haters. People I'm saying, get what I'm painting. A picture big, I call it little baby. If I'm on the board, then we playing chess. If you on my way, you gon' need a vest. Act big, you might get stretched. All your gun talk, I ain't impressed. My 45 seen real traffic. That's Dallas, Texas. My little partner called a body for a Maserati. He told him, get about the car, hit him with the shotty. That 12 gauge gave him life in the 12th grade. I tried to write him, but we ain't on the same page. I caught him slipping, I just had to let him know. It ain't the end of times yet, I know, but it's getting close. These demons really out to get you, so you better guard your post. There's certain things I could probably let go, but I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. I can't let them take my soul. Thank you.
Bon allez, sur ce, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, j'en ai marre. Donc là, je vous avoue, j'ai envie de m'arrêter. Il me reste pas grand-chose à faire, hein. Je pourrais très bien continuer, mais ce soir, je suis invité et tout. Enfin, passons les détails, mais il me reste vraiment pas grand-chose à faire. J'ai juste à coffrer ça, ces petits machins. Descendre en bas, aller chercher une planche de 30 pour terminer de coffrer ça. Après, c'est bon. Après, c'est fini. Donc c'est à voir si je viens dimanche ou pas terminer ça. Pour être prêt à couler lundi, ou alors je le fais lundi tranquillement et je coulerai mardi, ou alors je le fais rapide et je coulerai le lundi aussi. C'est à voir, je sais pas encore. On va voir ça, c'est pas très grave dans tous les cas. Et je vais vous dire dans tous les cas, si rien ne change, à mardi. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc prenez soin de vous, ciao !